La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct en ce jeudi 2 juin. Et toute l'actualité du Grand Lille en images en 7 minutes avec d'abord quelques rapides prévisions en météo, pas de surprise. Le temps restera couvert et nuageux aujourd'hui, peut-être même quelques averses localisées cet après-midi. La grisaille et la fraîcheur continuent de dominer avec seulement 15 ou 16 degrés de prévu cet après-midi. Autre info à la une, la grève reconductible à la SNCF après déjà quelques perturbations signalées hier. Une autre journée difficile s'annonce ce jeudi. On annonce donc 3 TER sur 5 en moyenne, un TGV sur 2 et le trafic transfrontalier de nouveau concerné par une grève aussi en Belgique. Par ailleurs, les syndicats appellent au rassemblement cet après-midi au départ de la porte de Paris à Lille dès 14h30. Il s'agit là tout de même de la 9e journée d'action contre la loi travail. Dans l'actualité également, ce drame de la route hier sur la 27 à hauteur de Saint-Gat en Mélantois. Un automobiliste d'une trentaine d'années est mort pris dans un accident entre deux poids lourds. Le camion qui le suivait n'aurait en fait pas réussi à freiner à temps à l'approche d'un ralentissement. En image, cette fois, on évoque ce décret du gouvernement publié dans le cadre de la loi de transition énergétique et qui imposera aux garagistes, dès le 1er janvier prochain, de proposer des pièces de rechange d'occasion aux clients qui en feront la demande. Alors c'était peut-être déjà le cas de votre garagiste, mais désormais tous devront proposer ce service. Des pièces évidemment moins chères, souvent reconditionnées, récupérer le véhicule parti à la casse. Une manière de faire des économies et de limiter la consommation et le gaspillage des matières premières. Évidemment, toutes les pièces ne sont pas concernées par ce décret, notamment celles qui peuvent s'user, comme les plaquettes de frein. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour le président de l'Automobile Club du Nord, Marc Jansou. On l'écoute au micro d'Anthony Vermus. Ça fait surtout des économies pour le client, parce que si vous connaissiez le prix des pièces d'occasion, par exemple un pare-choc de Clio que vous allez acheter à la casse, si ça correspond, et puis celui que va vous vendre le garagiste, le prix est multiplié par deux, c'est le même pare-choc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence. Depuis toujours, il se vend ce qu'on appelle des moteurs reconditionnés, qui sont des moteurs d'occasion qu'on a refait comme vous avez des iPhones reconditionnés d'occasion. Donc ils fonctionnent pareil. Maintenant, bon, quand c'est un moteur, on peut se demander si le moteur tiendra aussi longtemps. Maintenant, si c'est un pare-choc, un phare ou une portière, ça tiendra la même chose. Autre info dans ce journal, autre image, d'ici quelques jours, des milliers de supporters vont débarquer autour des stades à Lille et à Lens, notamment pour l'Euro de football. Ils vont bien sûr consommer, manger et boire, mais contre cette opulence, pour lutter contre le gaspillage, toutes les denrées invendues seront données à une banque alimentaire. Chaque soir après les matchs, les produits non vendus seront stockés dans une chambre froide sous les stades et les équipes des associations viendront les chercher dès le lendemain matin. Les repas des VIP, du personnel du stade, tous les sandwichs, toutes ces denrées seront confiées à l'épicerie solidaire Mon Panier Gourmand. Ainsi, des centaines de kilos de nourriture pourraient être récupérés. Et de quoi faire profiter plus de 1200 bénéficiaires dans la région. Explication complémentaire au micro de Clotilde Le Guévac. Disons que ça fait partie du processus de développement durable. La loi Garot concernant les supermarchés, les hypermarchés et toutes sortes d'intervenants dans la distribution alimentaire. Et les grandes manifestations sportives, ça va se développer de plus en plus. Je sais que ça a existé au stade Roland-Garros l'année passée, à l'occasion de diverses coupes de tennis ou de rugby, etc. Bon. Les banques alimentaires, dans certaines régions, sont déjà intervenues, ont des accords locaux avec des équipes style Lyon ou style Lens. Bon, pour nous, c'est notre première expérience en la matière. L'info en bref aussi dans ce journal, la visite de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud, au Belkacem aujourd'hui dans la région, à Villeneuve-d'Ascq précisément. Elle doit d'abord se rendre à la cité scientifique, au sein de l'école centrale, puis elle ira au Stadium Nord où se déroule actuellement l'Eurofoot Jeune UNSS. Le bus de l'emploi aujourd'hui à Lisle-et-Lannoy, dans le cadre de son Tour de France, le groupe GEL vient proposer plusieurs postes en CDI et intérim dans le secteur de la logistique. Rendez-vous pour cela avec votre CV bien sûr sur le parking de l'espace culturel Caudron, avenue Paul Bert à Lisle-et-Lannoy. Dans le reste de cette édition également, le portrait du jour, un jeune joueur de bridge, champion de France cadet originaire de Lisle-et-Lannoy. Léo Rombaud est issu d'une famille passionnée par les cartes et le bridge en particulier. Et Clotilde Le Guévac est allée à sa rencontre. Léo Rombaud a seulement 12 ans et pourtant, il est déjà champion de France de bridge. Un jeu de cartes peu répandu pour les jeunes de son âge. J'aime bien les cartes, j'aime bien faire mon contrat et m'amuser et j'aime bien jouer avec mon partenaire.
Son partenaire, Arthur, habite en région parisienne. Léo s'entraîne donc sur tablette quand il a du temps, car le bridge n'est pas vraiment sa seule passion. Je fais 3 fois du foot par semaine et 1 match le week-end. Je préfère ça que le bridge. Chez ces nordistes, le bridge est une histoire de famille. Le père de Léo fait partie de l'équipe de France. Il travaille aussi pour le site FunBridge qui propose des parties en ligne. Je voulais pas du tout que mes enfants jouent au bridge. Et puis, on organise quand même pas mal nos vacances autour du bridge. Donc, on fait des stages ou des festivals. Et puis, forcément, ils se sont intéressés, ils sont venus voir, ils ont commencé un petit peu. Et puis, les chiens ne font pas des chats, ils étaient assez doués. La relève est assurée. Oscar, le petit dernier, participe cet été à une colonie un peu spéciale. D'accord. Au programme bridge le matin et sport l'après-midi. Allez, un mot de sport de football pour terminer. Le calendrier de la Ligue 1 de la saison prochaine a été dévoilé hier. La première journée aura lieu le samedi 13 août. Le LOSC se déplacera chez un promu à Metz. Le premier choc pour les Lillois, récent en 5e du championnat, est annoncé à Nice fin août, qui a terminé 4e. Le champion de France, le Paris Saint-Germain, lui est attendu le 29 octobre au stade Pierre-Mauroy lors de la 11e journée. 7h21 en direct dans un instant sur Grand Lille TV. La météo et l'infotrafic, très bon réveil à toutes et à tous.